Hey, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça y est, enfin, je pars en voyage. Il rigole à côté, hein. Je suis en compagnie de Fabien, que vous avez déjà vu sur YouTube, et Tracy. Tracy, vous ne la verrez pas, hein, mais voilà. Elle est secrète, elle ne sait pas. Donc voilà, donc là, cette fois-ci, je pars en voyage, enfin, depuis le temps que je dis que je veux voyager. Voilà, on est arrivé à bon port, enfin. Donc 12 heures en tout d'avion, donc ça fait beaucoup. Et c'était très très long. Et donc nous sommes à San Francisco. Voilà. Donc nous sommes aux States, ça y est, enfin. Et donc voilà, on a prévu vraiment un gros truc sur la chaîne YouTube. Du coup, pour cette première vidéo, et ben voilà, ça va pas être vraiment passionnant parce qu'on vient d'arriver, on est fatigué, donc on va se reposer, on va faire les courses aussi, et après on avisera. Voilà. Mais ça sera voilà, c'est surtout pour le départ, faire la première vidéo. Mais par la suite, ça va être vraiment énorme. Ça va être un road trip. Mais je ne dirai pas où, c'est la surprise. Là, vous savez quoi, on va aller chercher la voiture. Donc la voiture de location pour 2 semaines. On va voir ce qu'on va avoir comme voiture. Et je pense que c'est une grosse voiture. On verra ça tout de suite. Là, ils sont en train de voir. Ça parle anglais. Moi, je ne sais pas du tout parler anglais. Donc, on y va tout de suite. Ici, et on doit aller là pour aller chercher une voiture. Donc, c'est pas la porte à côté. On y va. En tout cas, on va avoir une grosse voiture, je pense, parce que la plupart c'est des grosses voitures. Punaise, toutes les voitures, il y a des Chevrolet, il y a plein de voitures de malades. Regardez ça. Oh là là là. Et ça, ces voitures-là, on peut les louer. Bagnole de ouf. Voilà la voiture. Oh, elle est trop belle. Je vais conduire une voiture comme ça. Ah putain. Oh là là, mais elle est énorme, c'est la voiture. Mais même regarde devant. Mais je suis fou là. 2 semaines avec une voiture comme ça. Voilà. Nous sommes dans la chambre et franchement, putain, elle est énorme. Moi, je vais... Non, mais j'y crois toujours pas, quoi. Elle est énorme. C'est un truc de fou.
Donc les deux lits, j'essaie de pas montrer Tracy quand même, si tu veux pas être montré. Moi je suis youtubeur. Moi je suis un vrai youtubeur, tu vois. Je rigole. Alors. Voilà, il y a tout, il y a même un café, tout ça, donc voilà, un coin cuisine quoi, avec un petit frigo. Et je cherche la lumière et la salle de bain. Voilà. C'est impressionnant la taille. C'est un quoi? C'est un 2 étoiles? Même pas. Même pas? Non mais. Il y a un bureau, il y a un canapé. Bon, ça a été rapide cette vidéo, mais c'était juste vraiment la première vidéo. Après, à partir de demain, pour vous, la semaine prochaine, parce que ce sera une vidéo par semaine le samedi. Moi, ça sera tous les jours, évidemment, que je vais filmer. Donc là, j'ai terminé pour aujourd'hui. C'était rapide parce qu'on devait faire l'avion. Donc 12 heures d'avion, ça fatigue. Plus les 9 heures décalage. Oui, il y a 9 heures décalage pour San Francisco. Donc voilà, donc on a décidé de continuer la vidéo demain pour vous la semaine prochaine. Ça sera voilà, ça va vraiment commencer les vidéos, la saison à partir de demain. Voilà, là c'était surtout un outro, voilà, pour dire que voilà, là ça y est, enfin la saison 1 a commencé avec l'avion et tout ça, et arriver à San Francisco, voilà. Et puis l'hôtel, etc., la voiture, voilà. Maintenant, ça y est, on va pouvoir faire le road trip. Demain, on reste encore à San Francisco. On va aller faire la prison d'Alcatraz, voilà. Donc, vous allez voir prochainement. Et puis, on va faire un petit tour en ville de San Francisco. Allez, mettez-moi un max de j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Vous allez voir là, ça va éclater sa race sur ma chaîne. Vous allez kiffer, je pense, ceux qui adorent les voyages. Et voilà, vous allez kiffer. Allez, ciao, ciao. These skies have a different light. Why noise it keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of